1, 2, 1, 2. Essai de sonorisation. 1, 2, 1, 2. M'entendez? Bonjour. Ouais, je fais gaffe parce qu'il y a du monde qui passe, ils me prennent pour un fou. On va parler tout seul. Sinon, voilà, ben, petite balade en vélo. Et alors là, on est au bord de la Durance. On est entre Mérindol et Cheval Blanc. On va, je sais pas où on va à l'ouest. Parce que là, le programme, c'est justement pas de programme. Donc là, le but, en fait, c'est de prendre le temps. Et de pas faire que des fois, souvent, je roule, et puis voilà. Là, c'est vraiment d'être peinard, donc je roule le matin. Et puis l'après-midi, dès que la chaleur est passée, le reste du temps, j'essaie de me caler peinard. Et voilà, je fais 10 km par jour. Voilà, j'ai pris 3 ou 4 jours d'avance déjà. Donc c'est tranquillou. En fait, je sais pas où je vais. J'en ai aucune idée et je veux pas savoir. Et je sais juste comment on y va en vélo, avec Funky. Et voilà, donc ben, on verra les choses au fur et à mesure, comme elles viennent. Voilà, on s'est calé, on a mangé, ça y est, je me suis mis en mode balade, quoi. Donc, plus de travail, plus rien. Et ben, on va se faire plaisir. Et puis, ben, on vous emmène avec nous. Puis, ben, en espérant que ça vous fasse plaisir. C'est un peu pâturé. Ah, trop cool, il y a un plan d'eau en fait. Viens là, viens. Viens ici. Ah, trop fort. Ouais, ça c'est le problème de quand on va drouille, de quand on va au hasard. Pas gagné, hein. On va voir, hein. Pas envie de faire demi-tour. Hein. Attends, boulette. Bon, ben, je vais me taper 2 km de sable, de brosse. Tant pis. Par contre, j'ai marqué le point GPS. Il y a une demi-heure de chez moi. Franchement, je vais revenir. Hein. C'est vraiment un coin sympa, je ne connaissais pas. Oh, mais ce fut laborieux, hein. Pas mécontent de reprendre la route. Là, c'est la petite route. Et là, on va voir comment. Bon, pas toujours possible d'éviter. Oh, ben, on prend la route un peu. Quand ça va, il y a le rebord.
Bon, on commence le manège du ravitaillement. Là, on est à Cavaillot, et du coup, je sais pas, une idée comme ça, avant de prendre un bout de Viarona et de remonter un peu malgré le Mistral. Je sais pas, peut-être sortir à Montélimar pour le Mont d'Ardèche, un truc comme ça. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, la Viarona, le petit bout là, je me le sens bien. On verra. Les CEM, je sais pas. Maintenant, le but c'est de sortir de Cavaillot. Là, c'est qu'après, c'est beaucoup des champs, c'est beaucoup des cultures pour trouver un coin. Pas toujours simple. On va voir, parce que j'aimerais bien pas beaucoup rouler. Là, c'est 6h30. On peut trouver un truc du site de bière, c'est nickel. Ouais, on est sorti, mais c'est un coin que c'est vachement dur pour trouver la biroquette. Parce qu'en fait c'est la route et tout le long c'est des jardins avec des pieds de route qui partent dans les maisons. Bon, on va voir. Et oui, fouf. Ça y est, on a trouvé. Bon, on est dans un verger, hein, parce que de toute façon il n'y a que ça. C'est des pommes, des maisons, des pommes, des maisons. Et voilà. Donc c'était un peu long, ça fait plus d'une heure que je roule là. Un peu fatigué. Et j'ai mal au cul comme si ça faisait 15 jours que je roulais. Bon allez, on va se mettre la tente et on va se faire manger. Du bon appétit. Et bonjour, ben, sale nuit, hein. C'est, toute la nuit il y a eu une fête à côté là, avec des musiques comme ça. Et du coup avec la voix là, ça... Ça t'empêche de dormir. J'ai vraiment pas dormi beaucoup, hein. Ça va être dur. Hein. Là je me lève quand même parce que bon, il faut bouger quoi. Mais, sinon je serais bien resté au lit. Bon, allez, café, je vais en boire 10. Thank you.
watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. On va essayer de voir s'il se trouve pas un resto, parce que là c'est dimanche. Et, c'est soit resto midi, soit resto le soir. Sinon j'ai pas assez à bouffer. Et j'ai un repas de sécurité. Mais... ouais, ben le resto, on verra une autre fois. Hein. Ils sont trop loués. Ou alors il n'y a pas de terrasse et j'ai pas envie de courir. Je vais me chercher un petit coin, là, à l'ombre, au bord du Rhône. Et comme ça, on peut tremper les pieds, c'est un qui peut se baigner. Moi aussi, peut-être. Et voilà, on va manger le saucisson fromage avec la bière chaude. Ah, peut-être là. Ah ben non, c'était pris. Forcément, il est bien comme ça. On essaie de voir si on trouve pas le super spot. Bon, comme on est dimanche, ils sont un peu tous pris là. Pas simple. Bon, mais finalement. Bon, mais je me suis régalé. Hein. Oh, franchement, c'est excellent. Franchement, si vous faites la Virona, vous faites un crochet de 300 mètres. C'est à 4 roues, ça vaut le coup. Un régal. Bon, maintenant, je vais me chercher un coin pour faire la sieste, pour cuver. Donc, il me faut deux arbres pour poser le hamac. Et dormir jusqu'à demain. Ah, les pédales, elles sont lourdes. J'ai l'impression de monter une colle. C'est le vin blanc, le rosé, la bière. Boum. Apparemment, voilà. Ah, vivement l'ombre et la sieste. Ah ben non, demi-tour. J'étais dans le mauvais sens. Ah, c'est dur. Hein. Après le resto, là. Oh là. Ouais, non, mais là je tourne en rond. Là. Le problème avec ces panneaux, c'est qu'il y a marqué Virona, mais il n'y a pas marqué le sens. Et du coup, si tu le prends en cours de route, tu sais pas s'il faut aller là ou s'il faut aller là. Quoi. Donc, si il marquait Virona, Montélimar ou Virona, Sol, on saurait. Et quand tu sors du resto comme moi, là, c'est à l'ouest. Quoi. Tourne en rond. Ce
c'est... Donc voilà, après 4 heures de recherche, j'ai trouvé. J'ai bien ce moment où je pars et que je bouge. C'est comme quand j'arrive quelque part et que je m'en fais. C'est excellent. J'aime bien me perdre et me retrouver. C'est un peu la sensation. Quand on part en voilier, tu pars et tu passes la mer et d'un coup tu te retrouves sur un port. Tu vois, j'ai passé la découverte et tout, c'est nickel. Franchement, j'aime bien sur le voyage en vélo quand. En le faisant comme ça, c'est-à-dire en sachant pas où on va, ça fait cette sensation, franchement c'est vraiment agréable. Bon, j'espère que vous entendez quelque chose avec le vent, parce que j'ai pas mis de bonnette dessus. Attends, je parle pour rien dire. C'est le mec, il a 3 grammes, tu sais. Je vais essayer de voir si je me trouve pas un petit coin au bord, de la, au bord du fleuve, tremper les pieds, poser le hamac. Là, je viens d'avoir une étincelle qui m'a fait penser à que j'avais un GPS. Du coup, j'ai regardé et il semblerait que ça débouche. Mais espérons qu'il n'y ait pas de barrière, quelque chose. Attends, là, le bruit, là, c'est les petites cabanes, là, des panneaux solaires, là. Ça fait un bordel. Ça doit refroidir, je sais pas quoi. Peut-être un onduleur ou quoi. Oh, il fait trop chaud. J'essaie au moins de me caler dans l'eau. Funky, elle y est allée direct. Foufou, t'es belle! Bon, je vais faire pareil. Oh, ça nous a refait, oh, comme c'est bon. Ça m'a enlevé tous les grammes. Oui, ça y est, Funky, elle est refaite. Oui. Ah, je suis retourné. C'est le premier coup, ça m'a mis à température ambiante. Le deuxième, ça m'a bien rafraîchi. J'ai mis le t-shirt frais avec la casquette gelée, la même gelée fraîche. Bon, mais finalement, on fait demi-tour. J'ai peur de la barrière là-bas. C'est jamais. Oui, Foufou, on y va. Allez, t'es prête? Oui, on y va. C'est le vélo, Foufou. Oui, on y va, on y va. T'inquiète pas. Oui, je te suis. Et voilà, de retour sur la Viarona. Du coup, avec le goudron, là, on sent la chaleur, là. C'est incroyable, finalement, ce goudron, ce que ça renvoie. C'est chaud, hein. Bon, en tout cas, on est bien refait. J'ai quand même frais et tout. Puis là, par chance, j'ai le vent dans le cul. L'année dernière, je l'ai fait dans l'autre sens et je pensais avoir le Mistral pour m'aider. Et finalement, j'ai eu que des entrées maritimes hyper fortes. Et là, ben, j'ai du vent de cul, ça fait du bien. Je m'attendais à avoir du Mistral, comme d'habitude, du vent de face, du l'anneau. Alors ça aide. Ça fait plaisir, hein. C'est agréable dès qu'il y a des arbres là. Un petit coup de pompe, hein. Pas de pompe à vélo mais de pompe sur moi. Oh, la chaleur, le resto, je crois que j'ai la nuit d'avant là, que j'ai pas dormi. Oh, ça me met pas. Oh, je vais me trouver un petit coin là, calé pour la nuit, hein.
repas. Là, c'est 6 heures. J'ai bien resté, je ne sais pas, au moins 1h30, 2h, calé là. Et sous le figuier, avec de l'air. Voilà, je cherchais quoi. Franchement, je m'endormais. Funky dormait pareil. Ouais, parce que la teuf de cette nuit, Funky, elle a pas trop dormi non plus. Là, avec l'eau fraîche et l'eau tout à l'heure, quoi. Le resto, le marché. Bon, maintenant, mission coin. Si vous pouvez trouver un coin avec de l'eau, ça serait nickel. Et bon, on arrive là où j'ai quitté la Via Rona l'année dernière, dans l'autre sens. Juste après le pont, c'était calé. À gauche, là, il y avait le canal. Et c'était près d'un orage énorme. Là, du coup, ben, on va se recaler là, hein, parce qu'il y a le canal juste en dessous. Et c'est nickel. On va essayer de se caler au même endroit. Là, juste là-bas, là. Et voilà, hein, trouver le coin pour la nuit. Espérant que ce ne prenne pas le même orage. Et ça devait être par là, c'était peut-être là. Je m'étais éloigné du pont quand même. Peut-être là, il y avait un canal là, qui descendait. Oui, voilà, c'est ça. Là, il y a le petit canal qui descend. Et on s'était calé là. Eh bien, on va se recaler là. Là, on est loin de tout. Et bien voilà, bingo. Des fois comme ça arrive et... Là, bon, là je suis pas loin, mais ça fait 2 jours. Mais des fois on est au bout de la France, là, puis on retombe sur des coins qu'on avait bivouaqué, puis on rebivouaque et c'est nickel. Et ben là, ça va être très bien, on va être calme, s'il y a l'eau, se laver, se rafraîchir. Très bien. Là, c'est nickel parce que j'avais désherbé là, et en un an, ça n'a pas trop repoussé. Et en fait, ça fait quasiment un an jour pour jour. Parce que je me rappelle, ça devait être le 22 ou 23 juin. Là, on doit être le 26. Bizarre les choses comme quoi, des fois. Et là, ça me fait plaisir. Un coin connu, tranquillou. Je sais que je suis peinard. Là. Et voilà, allez, mission baignade. Bon, mais ce soir, il n'y a que Funky qui mange. Moi, c'est une bière et au lit. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins, et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. Alors évidemment, c'est mieux de faire de l'exercice que de s'asseoir dans une bagnole comme Lambert. Et forcément, par rapport à une voiture, le vélo, c'est écolo. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs.
Bon, mais finalement, cette Via Rhôna, elle est pas mal. Hein. Alors, je dis finalement parce que l'année dernière, j'avais fait un petit tour. Là, je voulais faire la passe à Païs, la Loire en vélo, le Morvan et une partie de la voie bleue, la Saône. Et voilà, je m'étais dit, tiens, mais je prendrai la via Rhôna pour revenir. Quoi. Et je m'attendais à quelque chose de pas terrible, parce que la vallée du Rhône, c'est quelque chose que j'ai souvent fait en train, en voiture, en camion. Et c'est vachement industriel, quoi. Donc je voyais pas trop l'intérêt qu'il pouvait avoir dans cette vallée. Et ben, j'étais agréablement surpris. Il y avait plein de cheminements et tout, et j'ai découvert la vallée du Rhône vraiment quelque chose de beau. Bien sûr, bon, il y a des centrales et machins, mais j'ai beaucoup apprécié. Et finalement, plus que la Loire en vélo, ça m'a un peu gâché à mériter. C'est pas que c'est vilain ou quoi, mais les cheminements, ben, sur des parties, là, on est sur les digues, on est en pleine cagne, il n'y a pas d'arbres, on est au-dessus de la digue, on est loin de la Loire. Un truc qui m'avait gonflé aussi, c'est que c'est tout interdit là-bas. C'est sans arrêt, il y a des panneaux interdits, ouais, baignade interdite, danger. J'ai même vu un truc, c'était... baignade interdite, danger en gros, et en dessous, marqué carnot surveillé. Ça va, pas besoin que tu me prennes en caméra pour aller me baigner dans l'eau. J'ai demandé à quelqu'un qui était du coin, et il m'a dit que la Loire, c'est quelque chose de vachement dangereux. Et après, en discutant, de rajouter, il m'a dit oui, mais quand elle est en crue. Ah, mais bon, quand elle est en crue, le canal qui est à côté de chez moi, il est dangereux aussi. Hein. Tu te jettes dedans, tu dégages. Mais je veux dire, en temps normal, la Loire, c'est tranquille, quoi. C'est franchement. Alors, si la Loire, c'est dangereux, alors le Rhône ou la Garonne, tu t'approches à 2 mètres, c'est l'enfer. Non, la Loire, j'ai trouvé ça, c'était sympa. Mais c'est vrai que voilà, toutes ces interdictions, c'est compliqué. Et la Via Rhôna, ben vraiment, ça m'a plu. Alors là, du coup, maintenant, je la connais de Lyon jusqu'à Sète, et pour Saint-Louis aussi. Et puis, il ne me manquait plus que cette petite partie-là, entre Sorgue et ici, Mondragon, que je ne connaissais pas. Bon, il y a après la partie Lyon et jusqu'à la source, mais... Des copains qui l'ont fait m'ont dit que c'est un itinéraire de montagne, il y a souvent des routes, il n'y a pas vraiment de pistes à côté quoi, qui suivent vraiment le Rhône. Quoi. Donc bon, ça me dit moins hein, à faire ça, autant rester chez moi. Hein. On va dans les Alpes, le Massif Central et c'est nickel. Mais voilà. En tout cas, ben là, je vais la remonter un peu, jusqu'à je ne sais plus où. Je vais voir, en fait, je ne sais toujours pas. Hein. Je sais que je voudrais... Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. Hein. Je me suis mis en tête les monts d'Ardèche. Bon, après, je verrai. ça monte, ça descend. Et comme j'ai que 2 jours dans les pattes, là ça va faire 3-4 jours. Voilà, je verrai. Après, en général, au bout de 5-6 jours, ouais, 6 jours, 7, une semaine, quoi. Après, on peut attaquer, ça va, là. Le corps, il s'y est fait. Bon, on va voir. Devant, là ça fait plus d'une heure qu'on roule et il fait 13 bons. J'ai l'impression d'avoir fait un col de 13 bons. Ça va pas le faire. Alors, l'année dernière, je suis pris devant dans le pif tout le long, alors je descendais, là je vais me prendre devant dans le pif tout le long, alors je monte.
parce qu'avec le vent de cul, même pas je pédale, j'avance. C'est nickel. Oui, une légère descente, mais c'est pas trop la descente, c'est surtout le vent. Voilà, on quitte la Vierona parce que ça m'a gonflé. Je comptais monter jusqu'à Viviers. Mais il y en a marre du vent là, c'est la mort. Attends. Et puis ce matin, j'ai fait. Combien j'ai fait? Je fais 23 km depuis 9h30 du matin jusqu'à midi. Attends, ça le fait pas. Plus c'est la mort, ça déséquilibre et tout. Et là, pour passer le pont de Saint-Andéol, là, c'était un truc de malade. Plus que je partais sur la route. Ouais, désolé pour le cadrage. J'ai beaucoup de choses à regarder. Voilà, donc je vais dans un coin qui s'appelle Bidon. C'est une bonne pas. Et puis voilà, j'ai commencé à monter par là. Par contre là, je suis vachement chargé, parce que je suis allé faire le plein et tout. Voilà, attaquer la montée, j'ai vachement chargé, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon déjà là, c'est midi, pas plus tard, 1h moins le quart. Je vais aller me chercher un truc à bouffer. Le type il se dit, il est fou lui, par le sol. Je vais aller me chercher un coin à bouffer, pour bouffer. Arrête l'alcool. Un petit coin pénard et puis voilà, on vient voir ce qu'on trouve. Ça attaque d'entrée par la montée. C'est qu'une colline, là. Ça va nous mettre en jambe. Allez, c'est parti pour monter, descendre, monter, descendre. Bon, on a monté le premier col là, je ne sais pas si vous entendez quelque chose avec le vent. Le micro est au fond, ça va. On a monté le premier col, puis on s'en est débattu là. Repartira quand il fera un peu meilleur. Là en montant, il y a des fois j'avais le vent au cul, hop, j'avais l'impression d'être à plat presque. Et c'est la folie ça. Allez, bon appétit. Et ça y est, on repart. C'est 3h30, il fait encore chaud. Je me demande si il va faire encore une heure. Bon, on va pas. J'espère pas rouler longtemps. De juste trouver un coin et puis voilà, et ça fait du bien, hein. Petite sieste là, là, si vous voyez là, là où était funky, là, je me suis coupé deux branches et... Ah, c'était nickel. En fait, je bouge parce qu'il y a le soleil qui vient d'arriver, et voilà, ça m'a un peu empêché de dormir. Sinon, j'ai bien dormi par intermittence. Bon, allez, la suite, je sens qu'il va falloir grimper encore. Et bon, il y a du vent, il fait frais. Et là, il est moins gênant du coup. À chaque fois qu'on croit qu'on est en haut, ben non, il y en a encore. Ouais, mais on n'est pas allé loin, on a fait 500 mètres. Ouais, il fait trop chaud, je vais attendre encore. Parce que là, c'est la mort. Puis quand ça monte bien, que je fais descendre funky, elle va mourir de chaud sur le goudron. Là. Donc on va attendre un peu encore. Ah, voilà. À l'ombre des arbres, des chênes verts, de temps en temps un peu d'air là qui passe. Oh, ça fait du bien. Ça cuit le soleil maintenant. Hein. Il n'y a même pas juillet encore. Hein. Ça cuit mais fort. Hein. Mettons qu'il y a des cancers de la peau et tout là. Ça, on n'est pas pressé, on va prendre le temps. Ah ben le temps il est devenu changeant. Vous y verrez rien, mais c'est tout gris. En un quart d'heure, 20 minutes, là, ça, c'est devenu vachement... Je sais pas si j'entends pas, non. Et je sais pas si j'entends les orages ou un avion qui passe. Enfin, là, il y a un avion, mais tout à l'heure, il y avait des sales bruits. Alors, quand je vais voir de redescendre, pour pas être sur les... Parce que là, je suis sur un haut plateau, là. Il faudrait pas que je reste là, si jamais il nous claque un orage. Que quand il y a du vert autour, je suis vachement rouge sur cette caméra là. On dirait que soit j'ai trop gnaqué ou soit j'ai plus le soleil. C'est bizarre ces canons. Ouais, je vais voir. Je vais essayer de choper les bidons avant tout à l'heure là. Et puis, de toute façon, on va étaler le camp. J'ai pas envie de. Aujourd'hui, j'avais envie d'être tranquille. Mais effectivement, ben, cette nuit il pleut. Cette nuit, et dans le coin, vendredi aussi il repleut avec des orages. Bon, on va escalader dans un coin tranquille.
Il fait noir. Hein. Bon, en tout cas, c'est bien agréable. Hein. C'est pas chaud, c'est nickel. Et par contre, c'est sec. Je le remarque toujours, tant qu'on est rive gauche du Rhône, donc côté Alpes, tous les cours d'eau, plus ou moins, cette saison-là, il y a de l'eau. Dès qu'on passe rive droite, d'un côté Cévennes, il y a tout qui est sec. Même la végétation, on le voit, elle n'est pas la même. Plus sec ici. Bon, on ne s'arrête pas de monter, mais là c'est bien parce que c'est une pente régulière et que ça s'arrête pas, ça fait pas que monter et descendre, ça monte tout le temps. C'est que du coup on peut prendre le rythme, et franchement c'est nickel, ça se fait bien. J'aime bien quand c'est comme ça, même Funky elle aime bien. Ah, il commence à pleuvoir, on va essayer de s'arrêter quelque part. Ah, peut-être là. Bon, je vais essayer de me caler par là pour la nuit. Peut-être un peu plus loin, je vais voir. Parce que là, il commence à y avoir des gouttes et tout, donc le temps de monter le camp, tout ça, peut-être peinard. Mettre la tente plus le tarp. Ça va plus, on peut l'air d'avoir prévu beaucoup de. Je mets la main pour le vent. On peut l'air d'avoir prévu beaucoup de pluie, mais. Sait-on jamais. On va essayer de trouver un petit plat. Et... Les ruines c'est jamais très beau. Oui, ça coupe de la route. En ça c'est pas mal. Moi je vois qu'il y a des passages de bagnoles là. Je vois qu'il y a de la trace, donc soit des quads, des bécanes ou alors des voitures. Les gars ils viennent fumer le bédo ou quoi. Bon, ça me dérange pas. C'est par contre ils viennent mettre le son là, c'est toute la nuit. J'ai besoin de dormir. Alors, du coup la pluie c'était une fausse alerte, c'est dommage parce que sinon je retrouvais meilleur coin. Donc là j'ai couché le vélo parce qu'il y a gras devant avec le machin au cas où il y a une bagnole qui vient dans la nuit. Voilà tout le lit de Funky. Par contre pour manger ça se passe là-bas à l'abri du vent. Et voilà, la salle à manger. Une boulette. Comme ça, on est un peu à l'abri du vent. Sinon, franchement, il souffle. Ben oui, Funky. Bon, le repas, c'est simple. Hein. Petit bout de pain, saucisson, taboulé et sardine à la tomate. Le taboulé à l'huile. Et une gouda pour accompagner. Et au lit.